Merci Jésus. Est-ce que tu peux m'aimer à dire merci? Est-ce que tu peux dire merci à ce Dieu fidèle? Je sais te dire merci, 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 je sais te dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, je ne sais pas te dire merci, merci Seigneur, pour la santé, merci Seigneur. Je sais que merci, 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 seulement te dire merci, merci.
Seigneur, pour la famille que tu me donnes. Merci, Seigneur, merci, merci. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Si je l'ai chante avec moi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, oh, vers toi. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Si nous élevons nos mains, c'est pour te bénir. Tes louanges, tes merveilles, Jésus. Nous élevons nos voix vers toi. Oh, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Jésus, nous élevons la foi. Nous élevons la foi pour te chanter. Arrive à ta
pense que je chante cette chanson pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié ou qu'il ne l'entend pas. Je pense que je chante cette chanson pour quelqu'un. Je pense que je parle au cœur de quelqu'un ce soir. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, même si ta mère arrive à t'abandonner, ta famille, tes amis ou ton mari arrive à t'abandonner, le monde entier t'a tourné le dos. Oh, oh, ils arrivent à t'abandonner. Même si tes frères arrivent à t'abandonner, oh, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, ne t'inquiète pas, et ne te soucie pas, il te délivre. Tu le glorifieras, il te délivrera, tu le glorifieras. De la maladie, je te délivrerai, ainsi parle l'Éternel. De tes angoisses, je te délivrerai. Oh, même du péché, je te délivrerai. Ah, de tes difficultés que tu traverses, moi je te délivrerai. Toutes les portes sont fermées, moi je te délivrerai. Alléluia, je veux que tu pousses des cris de joie. Alléluia, alléluia. Salut ton voisin, salut ta voisine. Et dis-lui, sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et se rasseoir? On peut s'asseoir au nom de Jésus. En ce soir, soyez les bienvenus à notre culte d'enseignement. Ce soir encore, le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien. J'en suis tellement convaincu.
Et bien avant d'aller plus loin dans le programme, on veut bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre papa, papa John Migan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia, alléluia. C'est comme ça que tu acclames pour la vie de papa John Migan. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare de donner l'honneur à ceux que l'honneur revient. Alléluia. 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 On veut bénir aussi le nom du Seigneur pour la vie de notre papa. Alléluia. Le prophète Philippe Makolé. Acclame bien le Seigneur pour sa vie. On veut bénir le nom du Seigneur aussi. Pour la vie de notre maman dans le Seigneur, la femme de notre papa, maman Amanda Makolé. Et je veux bénir le nom du Seigneur aussi pour la vie de tous les hommes de Dieu qui êtes là. Apostle Kingsley, pasteur Honoré, pasteur Timothée, prophète Prince, pasteur Jonas. Alléluia. 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 Et aujourd'hui, on a un homme de Dieu parmi nous. On croit que si tu chantes ou si tu joues les instruments, tu es un homme de Dieu. Alléluia. Il est assis parmi nous. Quelqu'un va dire, ah, le frère là, on le voit en train de chanter, mais un coup il vient, il est assis parmi les pasteurs. Nous, on sait que ce n'est pas seulement un chante. On sait que c'est un homme de Dieu qui chante. Et il est parmi nous ce soir. En tout cas, on veut bénir le nom du Seigneur pour sa vie. C'est notre frère homme de Dieu, chante David. David Track. Alléluia. Alléluia. Et sans plus tarder, on ne peut pas voir un chant dans la maison du Seigneur. Et on va le laisser partir comme ça. Donc vous êtes assis. Il va nous donner un solo, un chant. Après quoi, papa va rentrer dedans. Et l'enseignement va commencer. Le frère là, quand il chante. En tout cas, qu'on acclame le Seigneur pendant que je l'invite. Les musiciens, les chants, venez. Et pendant qu'on acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu, il va nous donner un chant. Il va nous donner un chant. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je voudrais qu'on adore encore le Seigneur. On va adorer le Seigneur à travers ce cantique. Et si tu connais ce chant, je voudrais que tu chantes avec moi. Amen. Alléluia. Alléluia. S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Ta majesté.
d'un cœur connaissant. Tu es le Seigneur glorieux, on s'en a au plus haut des cieux, nous élevons ton nom, nous élevons. You deserve it.
sing hallelujah, 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 hallelujah. Sing all the glory, all the glory, all the honor, all the honor, all the praise, all the praise. You deserve it, you deserve it. Le chant, tu peux dire ceci. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Qui goûte Susu Jewe, Pima Jewe, Susu Jewe, Pima Jewe, Pima Jewe, Susu Jewe, Pima Jewe, Pima Jewe, Pima Jewe, Pima Jewe, Susu Jewe, Susu Jewe. Si tu veux, dis mon alléluia t'appartient, Seigneur. Mon adoration t'appartient. Ma louange t'appartient. Toutes mes émotions t'appartiennent. Tout ce que je suis t'appartient, Seigneur. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia. Alléluia. Amen. J'ai un dernier morceau à faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui sont ceux qui comprennent fond ici? Fond. Amen. Alors, le Seigneur m'a fait grâce d'interpréter un chant en fond. Le chant est en anglais, mais j'ai interprété ça en fond. Ça dit juste. Agni Mahou. Agni Mahou. Tu es Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi? Agni Mahou. Amen. Agni Mahou amani beto. Agni Mahou amani beto. Alléluia. On est là? On est toujours là? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le roi des rois? Alléluia. Amen. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu, lui, ne ment jamais. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Amen. On y va. I am a beto. I am a beto.
Waigi go, waigi pa. Akluno, menebu madiwe. Waigi go, waigi pa towe. Akluno, menebu madiwe. Do ayi ma wu. Alleluia. Do ayi ma wu. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus-Christ ce soir? Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Alléluia. Aïbido, blagadaye. Madiwe, aïmaou, blagadamasu hondo. Blagadamasu baou. Aïmetoa, bombede madiwe. Waïgido. Ma bombe, il ne
Chantez avec moi. Mene maniwe. Aye mau. Adi mau. Blagada masuho. Aye betoa. Aye betoa. Mene maniwe. Wai gigo. Wai gigo. Wai bibatoe. Wai bibat. Akluno. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as fait clip de ça là? Vous dites? Tu as fait clip de ça? Pas encore. On doit faire clip sur ça. Alléluia. Tu as déjà enregistré ça? Déjà enregistré. C'est sur YouTube. Et j'ai fait aussi une vidéo lyrics sur YouTube. On doit faire clip sur ça là. Ok. On fait le clip. Le pasteur veut être dans le clip. Tu veux être dans le clip. Mais le vrai chanson là, c'est quoi? Now you be God. Okay. Almighty God. You know be man, oh. Okay. You know be man, oh. Now we can okay. Now we to talk. Oh, mama, na digi kante. Alléluia. Alléluia. Mais Blagadama ouais plus puissant. Blagadama ouais ouais. Acclamons Blagadama. Alléluia. Quelqu'un dit Blagadama ou? Blagadama. C'est fort, c'est fort. Non. Acclamons Blagadama. Voici pas nous Blagadama sur nous. C'est fort. Chanson là, on doit pousser ça. Il y a un bleu rayonné. J'ai oublié un peu. Blagada. Ça va aller, on va apprendre ça. Il y a un bleu. Acclamons le Seigneur. Ah, c'est quoi nous acclamons? Corinthiens 15, le verset 33. Corinthiens, nous comptons s'il plaît. Corinthiens 15, le verset 33. Il est écrit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. 1 Jean 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. 1 Samuel 16, le verset 7. Samuel 16, le verset 7. Et l'Éternel a dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Il faut nous aider, le micro là, ça, c'est comme ça tous. Ok, we are back to church to...
our character, Christian character. Nous sommes de retour sur notre thème au sujet du caractère chrétien. We say many things concerning a godly character. Nous avons dit beaucoup de choses concernant le caractère chrétien. I don't know whether I should remind you or you have to remind me. Je ne sais pas si je dois vous le rappeler ce qu'on a déjà dit ou c'est à vous de me rappeler ce qui a été dit. We say character is the basis of everything we do in Christ. Nous avons dit que le caractère est la base de tout ce que nous faisons en Christ. Beaucoup d'écritures que sont basées, many scriptures that we see in the Bible, is leading us to developing a good character as Christians. La plupart des écritures ou des versets que nous voyons dans la Bible nous conduit à développer un très bon caractère chrétien. The world can never be changed by only preaching. Le monde ne peut pas seulement être changé par la prédication seulement. We have to demonstrate what we are preaching. There are many people who are preaching, but there are few people who are preaching and still living what they preach. Il y a beaucoup de gens qui prêchent mais qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Il nous faut alors pratiquer ce que nous prêchons. Vous devez savoir que le nom déjà chrétien, c'est un nom qui est sorti d'une observation des païens. Après la mort de Jésus, ces gens-là, ils ont vu comment les disciples vivaient. Ils ont vu qu'ils ne sont pas différents de Jésus qu'ils ont tué. Et vous devez savoir que les pharisiens, les hébreux, sur la croix, eux tous, savaient qu'ils ont tué quelqu'un qui est sans faute. Parce qu'il avait des épreuves dans le pays. On a vu le voile qui est déchiré, les tremblements de terre. Déjà, à certaines heures, l'obscurité qui est venue, il y a des choses qui sont vraiment, qui parlent que vraiment, ils ont l'habitude de tuer les gens, mais celui-là est différent. On est ensemble là. Un soldat même a vu sa guérison en ça. On a vu beaucoup de choses qui montrent vraiment l'homme, il est innocent, l'homme, il est pur, il est venu. Vous devez savoir que you have to understand that John the Baptist was a figure in the damn world. Alors vous devez savoir que Jean-Baptiste était une figure dans le monde ancien. Avant l'internet, avant la radio, la télévision, il a une manière, they have a way to collect news from figures. Alors avant qu'on ait les médias et tout le monde, ils avaient une manière d'avoir les nouvelles. There is always a news around figures like John the Baptist, Herod, Jesus. Il y a toujours des nouvelles ou des informations autour des figures antiques qui s'élevaient comme Jean, Herod. Il n'y avait pas un matinal que les gens peuvent lire, mais le roi a dit, appelle-moi Jésus. Il voulait que Jésus fasse les miracles. Pourquoi? Il a eu les échos. Ça va là? C'est pourquoi souvent les gens disent, il y a des arguments, les gens disent, mais si, comment on appelle ça? Premier enfant de Adam là, c'est qui? Adam, c'est fini. Premier enfant d'Adam? C'est Caïn. Caïn, merci. Les gens posaient les questions, Caïn allait marier qui? Caïn et Ida. There are some people in the Bible, they are no, there's no news around them. Il y a des gens dans la Bible où il n'y a pas de nouvelles ou d'informations autour d'eux. Il y a des gens dans la Bible, c'est une seule fois tu écoutes leur nom, c'est fini. C'est comme on joue une fille. Qui a déjà vu, regardé les films? Dans les films, vous allez voir que la personne, ce qu'il doit faire, c'est d'ouvrir une porte. C'est fini. Lui, il a joué son rôle. On les appelle les figurants. Ah, il a des gens, lui il doit marcher, le gars vient comme ça, toi tu marches comme ça, c'est fini. Il a des gens dans la Bible, pour eux là, c'est comme ça. Ils n'ont pas un nom dans le film. Mais il fait partie du film. Non, Jean-Baptiste avait beaucoup, sa personnalité a créé beaucoup de news
news, n'est-ce pas? De nouvelles ou d'informations. D'informations. Jean-Baptiste a été un homme de roc qui est tout le temps. Dans l'Antiquité, il y a des gens qui sont entraînés, comme il n'a pas la radio, ils sont entraînés par l'observation et de, ce sont les rapporteurs. Ce sont les espions, si vous voulez accepter ça. Ils sont dans la ville. Tout ce qui se passe, ce sont les rapporteurs. Ils vont aller rapporter au roi. Il a ça ici ou il a ça ici. Cette personne est là-bas, cette personne est là-bas. So, quand Jean-Baptiste a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est arrivé vers eux. Effectivement, ce que Jean-Baptiste a dit, ils ont vu ça. Déjà, le jour où ils ont tué Jésus, là, c'est le jour là qu'on prépare l'animal pour le sacrifice. Vous êtes ici là. So, en Israël, il ne peut pas dire que ne sait pas que c'est Jésus. L'œuvre que Jésus a fait. Quand tu lis la Bible dit qu'ils les ont tués, they kill him because of envy. Il dit qu'ils l'ont tué à cause de l'envie, la jalousie. Si vous voulez. Parce que le grand prêtre sait que le rideau est déchiré. Les Romains, ils ont vu le tremblement de terre. Le gars qui était aveugle était guéri. À part ça, tout Israël a vu les gens qui sont morts en Dieu sont ressuscités. Ce n'est pas Jésus seulement qui était ressuscité. On est ensemble. So, vraiment, ils ont vu, ils ont accepté que vraiment lui là, il est différent des prophètes, il est différent des hommes. Maintenant, après sa mort, dans Actes 11, verset 26, on peut lire rapidement. Rapidement, s'il vous plaît. Il est écrit. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. You know, Jésus a vraiment Jesus truly influenced the world that he lives in. Jésus a véritablement influencé le monde dans lequel il a vécu. Tu peux imaginer Jésus qui est devant Pilate. Jésus de Pilate nous quand? Mais Pilate il dit quelque chose. J'ai le pouvoir de te libérer. Pilate de Rodendoa tu vas tout inter. Et regarde Jésus. Moi Jésus. Qui a regardé Pilate? Et quoi Pilate c'est de? Il dit tu ne peux pas me libérer. Et alors à ce coup tout inter. Acclamons Jésus lui. Moi c'est pas Jésus. Il a parlé une seule fois et c'était. Et vous allez voir avec Pilate, il n'a pas trop parlé. Parce que déjà, Pilate voulait le libérer. Pilate a joué. Mais si Pilate le libère, nous là, on est foutus. Pilate a joué, mis des temps au fond. On a vu Pilate qui a lavé sa main. Pilate, il croit à l'autre. Il dit, je ne suis pas dans ce péché. Mais quand tu lis sur Pilate après, je pensais que le frère allait donner sa vie. Après, il a fait les mauvaises choses, Pilate, lui, là. C'est pourquoi sortez des émotions. Dieu n'exauce pas les larmes. Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière, pas les larmes. La Bible dit que le frère, le grand frère de Jacob, Saül, Saul, c'est son nom là, Saül, non, en français. Esaü. La Bible dit qu'il a pleuré pour recevoir. Et la Bible dit qu'il crie pour gagner back his birthright, by couldn't get it. Il dit qu'il a pleuré pour pouvoir récupérer ou retrouver son droit d'aînesse, mais il n'a pas pu avoir. Dieu a des émotions, mais il n'est pas émotionnel. Maudou,
One of the reasons why you'll be going to hell is because you have not grown in the image of God by developing the character of Christ. L'une des raisons pour laquelle vous pouvez vous retrouver en enfer, c'est que vous n'avez pas grandi à l'image de Dieu en développant un caractère chrétien. Last time we said character is what you truly are. La dernière fois, nous avons dit que le caractère est ce que vous êtes réellement. You can hide everything. Vous pouvez tout cacher. But you cannot hide character. Mais vous ne pouvez pas cacher le caractère. One of the ways to expose a man of his character is to give him time. Et l'une des façons de pouvoir exposer le caractère d'un homme, c'est de lui donner le temps. Mm-hmm. Le temps expose toujours le caractère. La personne qui est voleur là, il faut lui donner le temps, tu vas l'attraper. Menteur, donne-lui le temps, tu vas l'attraper. L'orgueilleux, donne-lui le temps, tu vas l'attraper. Le temps les expose. C'est pourquoi les gens qui veulent vous tromper dans l'amour, ils veulent vous marier maintenant, ils vont vous faire rapport sexuel maintenant. Si tu m'aimes, il faut me donner. Hmm? Si mais faut me prouver, c'est ça. Ils vous disent, non? Non? Les soeurs, les gens disent quoi? Les garçons disent quoi? Hein? Non, prouve-moi ton amour, pas éprouve-moi. Mm-hmm. Prouve-moi ton amour. Qui déjà prouvé son amour? Mais bêtement, bête. Pourquoi des wahi toi? Un isalote. Gugumbe, mais dans nos jours là, vous avez problème, vous les filles. Vous avez problème parce que les garçons de juste mentir. Ils ont regardé feuilleton des Philippiennes, films nigériens, films ghanéens. Ghana, Brésilien, américain, italien, français. So, il sait ce que tu dis. Et comme ça, toi-même, ton cœur saute. Comme papier. Ah, moi, j'ai regardé un film nigérien et j'ai pleuré. J'ai oublié que c'est film. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours le truc là en tête. On appelle ça Egg of Life. Il y a le Egg of Life. J'ai pleuré. Et mi a vie. So, si moi j'ai pleuré en regardant un film nigérien, le frère qui a étudié leurs paroles, il t'a appelé avec un ton comme ça. Il t'a donné les paroles. Si toi tu penses qu'il est sincère, mais il a copié ça dans le film. Abba les frères menteurs. Abba. Abba. Vous là, vive la vérité. Hein? Mais c'est pourquoi les gens, tu rencontres quelqu'un après deux mois, il veut te marier. Et si tu connais la personne que tu veux marier, à tout meilleur, t'adore. Non, j'ai pas le temps. Je dois voyager. Donne à Itomé. Il n'a qu'à voyager. Et ni Itomé beau. So, le caractère est très important. Now, écris ceci. Beauty catches attention. La beauté attire l'attention. But character catches the heart. Mais le caractère retient le cœur. La beauté retient l'attention, mais le caractère retient le cœur. Un jour, ça fait un peu longtemps, je n'étais même pas pasteur. J'étais fidèle comme toi. On a visité la maison d'un ancien de l'église. Et ce monsieur a beaucoup de filles. Il a des filles jumelles. Il y a des papas qui ont seulement les filles. You know. À l'époque, on a un pianiste. Lui, c'est un chicoteur. Le frère n'est pas normal. Mais c'est lui qui aime visiter
la maison de l'ancien. Et nous là, on a visité pas à cause de ses filles, parce qu'on avait faim. Qui connaît la vie là où tu visites les anciens pour manger? Tu dis ah, bonjour papa. Il dit ah, il faut lui donner quelque chose. Déjà dimanche, on dit aux anciens ah, on va venir vous voir. Comme il sait l'heure, il va dire à sa femme, il faut préparer nos restes. Et tout, on est là-bas en train de parler. L'ancien m'a dit, dis-toi, si un jour tu viens, que tu veux marier l'une de mes filles, je vais te donner. Et il m'a dit, mais lui là. C'est le pianiste. Quoi, même les papas, l'ancien ne connaît pas mon avenir. Mais il a vu un jeune qui aimait Jésus. Écoute-moi, le caractère vaut mieux plus que l'or. Et si l'homme de caractère peut vivre partout. Il a une année, j'étais sur la Côte d'Ivoire. Avant de marier, un ami pasteur m'a mis dans sa maison. And il a mis climatiseur dans ma chambre. Et déjà, lui, il est déjà en famille. Il a beaucoup d'enfants, ils aident beaucoup de gens. Et j'étais avec l'une de mes fils, je disais à moi, j'ai fait une réunion avec moi-même. Déjà, je prêchais chez eux. Quand je les visitais, ils préparent nourriture, ça là. Mais pour vivre avec eux, c'est autre chose. Ce que j'ai dit à sa femme, s'il vous plaît, quand tu prépares, il ne faut pas préparer pour nous. Oh, quelqu'un nous m'a dit, nous m'a. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire hospitalité pour longtemps. Il y a beaucoup de problèmes que vous avez dans vos foyers, dans vos familles, dans vos travails. Si même il y a un démon derrière, c'est un problème de caractère. L'homme de caractère résout les problèmes de demain aujourd'hui. Par cette décision qui sera influencée par son caractère. So, je dis à la main, pardon, il ne faut pas préparer. Pour oh, prophète, pourquoi ça va? Le jour on veut manger, on va te dire. Ou soit, donne l'opportunité, nous-mêmes, on peut faire quelque chose quand on en a besoin. Mais tu sais que ça m'a aidé. On a vécu longtemps dans cette maison. Bon, il n'a pas eu bruit. Bon, par exemple, si la maison n'a pas l'argent, comme je suis visiteur, il doit toujours faire quelque chose pour me donner à manger. Bon, mais, comme je les ai dit, je ne suis pas sur votre programme de manger là. Il ne peut pas faire les commérages derrière moi. Yes, deux. Un jour, j'ai demandé la facture du courant. Je sais que mon ami frère ne va pas me laisser payer, mais derrière lui, j'ai demandé la facture. Et le frère qui est à la maison m'a montré. Il me donnait l'argent pour payer. Ça là. Et néant. Ton caractère t'a sauvé et sauvé les gens de problèmes. Si tu veux, tu peux rester là-bas 5 ans. Et tu leur as fini. Ils vont pas sentir parce que tu contribues. Si la Bible dit que quand on t'invite à la table avec le roi, mets quoi à ta gauche?
ta photo à rasoir ça tu viens de connu ya moko duna nusu mais non dumo ah rasoir ah ok mais ya tono hein mais ya tono adono il y a des gens qui mais les latins on les appelle adoufouli nous duto adono les à fond du tolé et là et de l'air comme la chose est là donc on le finit on a eu et pas bien amen encore ça va c'est comme ça le mari de Abigail il est mort mon est au Abigail c'est un soukou bon il est en train de manger il est mort parce elle nous a beaucoup il a des gens mais les latins ils n'ont pas ce caractère de voir la maîtrise de soi. Et donc, tu joues au maître de la chose est gratuite. Nous allons finir pour nous. Si l'homme de caractère, il est le policier de sa propre vie. Ben toi, donc tu joues la guerre. Et pour non, ben ça aide sur notre temps. L'homme de caractère police his own life. Et pour non, ben ça aide sur notre temps. Il prend soin de lui. Pour non, pour nous aider. L'homme de caractère, il a des interdits que lui-même il a mis sur lui-même. Par exemple, tu sais que ici c'est la chambre des filles. Quand tu veux marcher, pourquoi tu mets les yeux entre leurs portes là? Regarde comme ça, tu marches. Mais les garçons qui n'ont pas caractère, tes yeux sont là-bas. Tu cherches à voir, regarder fesses du fille au sein. C'est pas bon, le caractère, c'est ça qui fait l'homme. Que le Seigneur nous aide. Knowledge en français, c'est quoi? La connaissance te donne la puissance. Mais le caractère te donne le respect. Ici, le caractère. Les hommes. People who are perverse. Les hommes pervers. One of the things that dominate them is true character. L'une des choses qui les domine, c'est au travers du caractère. Par exemple, si tu es dans un if you are in the same work with somebody, si vous êtes dans le même service que quelqu'un, dans le même travail, les gens commencent pas à voler partout. But my lady, I just said my phobia. Tes collègues vont pas aimer quand toi tu ne voles pas. Nous, on va devenir comme un jaguar. Tu es là, n'as rien à nous. Les hommes qui font le mal, ils ont peur de les gens qui ne font pas le mal. Les hommes qui n'ont pas l'intégrité, ils ont peur des hommes qui ont l'intégrité. Vous savez pourquoi? Tu as bien traduit? Sympa, parfois mon français n'est pas français de l'école. Non, parle pas inspiration. J'ai dit quelque chose aujourd'hui, maman m'a corrigé. Je parle dit non, mon mari. Il faut redire la chose. Je voulais dire, je n'en conviens pas. Je ne disconviens pas. J'ai dit quelque chose, dit, hein, tu dis quoi? Quand tu as un bon caractère, si maman se moque de toi, si c'est pour apprendre, tu ris. Acclame Jésus. Les gens qui n'ont pas bon caractère, tu ne peux pas les corriger. Lord, ok. Surtout les instrumentistes. Chante. Il n'a pas orgueilleux comme instrumentiste et chante. Un jour, on était au marché de Abidjan en train d'évangéliser. Et le jour là, il n'a pas les chants. Il a une soeur qui vient de joindre l'église. Elle est fière d'elle. Elle pense qu'elle chante.
Vous connaissez les gens qui pensent qu'ils chantent là? Qui a déjà vu quelqu'un comme ça? Eux, ils n'ont pas honte. Oui, oui. Elle est... Ah, madame, où tu étais là le jour là? Qui était là? Mais elle pense. Elle est lindo. Elle a jeune d'église, les chants ne sont pas là. Les gens... Le fine, hein? So, c'est elle qui est là. Oui, il y a le fine. Pour elle, elle fait vedette. Et la soeur de Sokhle, mais elle est... Mais nous, on connaît qui elle chante. Bon, il y a le cas tout le monde racine. Mais comme elle vient d'intégrer de l'église, pour elle est championne de l'église. On allait au marché. Et la soeur. Nous venions nous. Dieu là, quand Dieu veut te humilier, c'est grave. C'est pourquoi la Bible dit humilie-toi. Tu ne vas jamais voir dans la Bible on dit que Dieu n'a qu'à te humilier. Elle te rend humble. Toi-même, tu dois te rendre humble. Parce que quand Dieu veut le faire, en plein marché, elle est en train de chanter. Moi, je suis assis sur un banc quelque part. Quelqu'un est venu faire achat. Quand tu vois la soeur, tu ne peux pas penser qu'elle sait chanter. Elle aussi. Elle est sous-non. Au sein du marché. Elle est en train de corriger la soeur. Au lieu d'apprendre. Elle fait comme ça. Je suis derrière, je n'ai rien dit. Aussi. Le brisement là. Tu reçois aujourd'hui. Mais les hommes qui n'ont pas de caractère, leur caractère les amène au marché. Ainsi, tout quand on fait l'évangélisation, les gens qui t'écoutent, tu ne connais pas. Ce que tu fais là, quelqu'un est dans la foule, il sait bien chanter, bien jouer, bien prêcher. So, si tu vas là-bas avec orgueil, par exemple, on a une ville au Ghana. Cette ville, on les connaît comme les professeurs de là-bas. Un monsieur est venu en train de prophétiser. Il est un petit dans l'église. Bon, il n'y a pas de problème. Le monsieur en train de prophétiser, le petit a soulevé joie. Il dit, prophète, s'il vous plaît, ce que tu as vu, c'est sa main sur le petit. Le petit a pris l'église. Il dit, ce que tu dis, c'est vrai, mais il a pris l'église. So, l'homme de caractère accepte la correction. Les Mina, ils ont ce mot, ils ont dimakla et plamasé. Vous avez ça aussi? Dimakla, c'est quelqu'un qu'on ne t'a pas éduqué. Plamasé, c'est quelqu'un qu'on t'a éduqué, mais tu n'as pas. Le plamasé, c'est l'orgueilleux. On t'a éduqué dans la maison, tu as dit non. Tu vas le recevoir publiquement. C'est pourquoi quand on vient à l'église, ce n'est pas un miracle d'abord. La relation avec Jésus, c'est pour fonder les bons caractères. C'est pourquoi la Bible dit que mauvaise compagnie corrompt les bonnes choses. Par exemple, Joseph. Quand tu vois Joseph, la prophétie sur sa vie, c'est bon. Mais Joseph, c'est un rapporteur. Joseph, il m'a dit, Joseph, sa bouche. Nous t'en. Le crée le problème. Toi, tu as fait songe. Tu as dit à tes frères. Ils t'ont haï. Et la Bible a dit qu'il a fait songe. Il allait dire encore, on l'a haï de plus. Et vous allez voir que son papa l'a envoyé pour faire espion sur ses frères, pour venir rapporter. Le frère, vraiment, il a la grâce de Dieu sur lui, mais
il a un problème de caractère, il parle trop. Écoute-moi, quand tu parles trop, tu vas toujours exagérer. Quand tu parles trop, tu vas toujours mentir. Quand tu parles trop, tu vas toujours tomber dans les problèmes. Qui parle trop ici? Divine, tu parles trop? Debo, tu parles trop? Joseph, Jonas aussi? Patrick aussi? Toi aussi? Quand tu parles trop, tu vas exagérer. Alors, quand j'étais petit, il fallait un peu, je deviendrais un comédien. Oh, ben d'ailleurs, ben mina rose mana reflète. Quand je suis devenu pasteur, Dieu m'a ouvert mes yeux sur ça. C'est là que Dieu m'a donné. Les comédiens là, il a un démon derrière eux. Tu vas pas croire. Anadia, parce que parmi mes amis là, c'est moi qui les fait rire. Je vais fabriquer quelque chose maintenant, tu vas rire. Et mina blonde, dit lui bana kon. Eux vont dire, c'est génial, mais c'est un démon. Parce que tu dois mentir, exagérer. Comme ça, tu fais rire aux gens. Quand tu parles trop là, tu tombes à ça. Qui connaît les statues, la singe, où on met les deux mains? Ça nous dit quelque chose. Que le Seigneur sanctifie notre bouche. Amen. Il y a des choses qui sont pas there are attempts that are things that is not your issue but you put your mouth into it. Il y a certaines choses qui ne vous concernent pas mais vous mettez votre bouche là dedans. So Joseph a un problème de caractère. Joseph qui est sa bouche. Dijotori ba do nutome. Au lieu d'interpréter les songes, il rapporte les songes. Et noi d'autre de nos couleurs. So ces expériences l'a enseigné. Vous allez voir les frères et sœurs que nos mamans, nos papas, quand ils commencent pas à grandir, les adultes ne parlent pas beaucoup. Qui connaît ça? Mais ils osent beaucoup. Quand les gens commencent pas à grandir, ils utilisent plutôt leurs yeux et les oreilles. La Bible même dit que vous serez jugé par vos paroles. Le jour de jugement, on vit yakame. Comment on insulte les gens ici? Donne-moi une insulte. Dimaklon. Dimaklon. Dibo. Dibo veut dire quoi? On t'a mal engendré. Et donne-moi une autre chose. À vous. Ok, merci. Comment vous appelez Coclo? Coclo. Les Ghanéens ou les Togolais peuvent t'insulter. À vous, Coclo. Yakame. Ghana, les Renazoué. Choukou, Coclo. Le jour de jugement, tu seras étonné que à vous, Coclo, Yakame. Non, à vous, Coclo, Yakame. C'est une personnalité qui est venue. Ou peut-être un boa. Dieu, Mao, elle m'a utilisé 100 000 fois. Tu dis, aïe! Les amis, bouton. Les injures. Mais ce sont on serait jugé. La Bible dit que toute parole. C'est terrible, hein? Il n'a pas seulement dit insulter, toute parole. Vain. Ça veut dire que. Quand tu dois dire oui, tu as dit non. C'est vrai. Nous votons. Quand on dit, tu ne dois pas dire à la soeur, je t'aime, tu allais dire, je t'aime. C'est vain. Quand tu ne dois pas dire oui au frère, tu as dit oui. Tu allais dire, je t'aime aussi. C'est vain. Toute parole vain. Un autre mot pour vain, là, Timothée, c'est quoi? Pas important, n'est-ce pas? Inutile. Inutile. Nous,
Même à la maison, on nous enseignait déjà comment parler. Même comment manger. Oh. Quand tu manges chez nous, ça fait. On va te montrer. Quelqu'un qui derrière toi. Mais tu es en train de manger. Pouf. Il dit qui mange comme cochon là-bas. Mais nous dit à clous à nous finir. Ou soit les adultes parlent et tu as mis ta bouche dedans. Tu es cadavre. Ou soit les adultes parlent et tu les regardes. Pourquoi? Il ne veut pas que demain tu amènes un problème à la maison. Chez nous même, si tu viens à la maison avec l'argent, tu as trouvé l'argent là où? On te sert nourriture, on va te dire. Tu finis manger avant de toucher viande, n'est-ce pas? Pourquoi il fait ça? Hein? Parce qu'il ne veut pas que tu deviennes un voleur. Tu es habitué à la viande. Et quand ils vont te donner, c'est la tête de poulet. Ou les pattes de poulet là. Les pieds là. Le jour où on t'a donné ça là. C'est 25 décembre. Oui, 25 décembre. Le jour où tu as mangé comme les ailes là. C'est ça. Ou plus. C'est 25 décembre. 25 décembre, oui. Le 1er janvier. Ou 1er janvier. Le 1er janvier. Là, toutes ces éducations, c'est pour cultiver le caractère. On a appris la fois dernière que le caractère, on ne prie pas le caractère, mais on cultive le caractère. Si tu ne sais pas préparer, la prière va t'apprendre à préparer. Hein? Si tu ne peux pas préparer, tu dois aller l'apprendre. Il a des soeurs qui s'est préparé, mais c'est pas mes sel dans sauce. Non, vient de l'étonda, moi et tout, j'ai oublié de vous soumettre. La chose est salée. On en a fait un jour à Sandébé au Ghana. Au Ghana, il était pas marié aussi. Mais quand t'as si vous êtes noir, il a une soeur. Non, vient de ting. Elle veut préparer feuilles. Il y en a dame à ma vivre. On a senti. Maman. Non, papa, je vais faire. Non, c'est un blo. On ne peut pas oublier. Et c'est quoi? On avait faim aussi. Pourquoi vous allez signer? Elle a préparé la chose. Et d'amour. On a pris où on amène dans la chose. Ça, vous sauma, on a. Tu dois crier. À quoi on a tout, ouais. C'est là on a dit ba chalisha. Finalement, ouais, si. Mais on avait un frère, lui là. De l'ambisonde. Il avait faim, il s'en fout. On va signer qu'un. Tu sais, feuille à mer là, tu dois ma vivre. Alors, on a des vivres aussi, mais. Et la soeur nous a tués. Ma vie, sous nous, ça vient nous. So, tu ne pries pas. Mais elle prie bien. Et quand on a des gadis, elle chante. Quand elle chante ici, onction. Et on dira, à Messie Satan. Onction, prier. À Messie Satan, au Béton, ou à la Gwélila. Ça ne montre pas le caractère. Au Djidjo. C'est pourquoi les frères, mariés, les soeurs qui ont un caractère, pas les soeurs qui chantent. Pas les soeurs qui chantent, qui prient seulement. Beaucoup de soeurs de l'église sont paresseuses. Les soeurs ne vont pas dire amen. Elles sont fâchées. Beaucoup de soeurs. Par exemple, vos foulards là. Dis-moi, quelle est la dernière fois que vous avez lavé vos foulards? Donne-moi un micro, je vais essayer. Oh, regarde la soeur. La soeur veut m'intimider. Aujourd'hui, mais. La soeur veut. Elle, les autres. Et les autres, la soeur. Ah, tu as tes vannes. Parce qu'elle veut faire combinaison, elle a lavé ça. Et les autres.
Il a quelque chose que les femmes n'aiment pas laver, c'est les foulards. Ainsi que les garçons aussi n'aiment pas laver leur caleçon. Chocoto. Chocoto. Chocoto et ton. Les garçons. Les femmes n'aiment pas la. Moi. Foula. Foula, elle. Elle fait comme ça. Pas. Garçon n'aime pas laver caleçon. Il y a des gens qui ont assis sur les choses 2-3 jours. Mais les 5 jours, les garçons. Et quand ils se lèvent, tu vas voir mouche vient là-bas. Tu sais qu'elle n'a pas lavé. C'est mauvais caractère. Ah, pas les garçons qui lavent pas caleçon. Ah, c'est quoi ça? C'est mauvais caractère. Un vieux chocoto. Effrayant en plus. Un jour, j'ai rentré dans la chambre des garçons. J'ai vu les gens dans leur caleçon. J'ai dit, ouais. Les choses existent. Il y a des gens qui sont mesmer, leur chocoto. C'est comme Bruce Lee qui veut faire. Aide-nous, Seigneur. Mais c'est mauvais caractère. Tu dois gna gna. Même brosser les dents. Oh, nous mettons qui clore les sous. Brosser les dents. Nous mettons qui clore les sous. Qui brosse les dents avant de dormir? Maintenant, clore, nous mettons notre blanc, nous mettons notre table, ça met. Et toi, tu es gentil, hein? Rare. Hein? Hey, Kenneth! Tu brosses tes dents dans 20 ans. Qui est témoin? La douche. Frère, le riche. Où est le riche? C'est vrai là. La douche est témoin. Non, je dis avant de dormir. Comme on n'est pas dans la douche, alléluia. On m'a demandé la douche. Frère, j'ai pas la foi sur toi sur ça. Faut pas nous systémer. Mais parfois même là, c'est ce problème. Parce que le your habits form a character for you. Parce que vos habitudes vous forgent un caractère. And that's why every good character you must always exhibit it. You must always practice it. C'est pourquoi tout bon caractère vous devez toujours le pratiquer. C'est difficile. It's very difficult when you pass some ages before you take it up. It's very difficult. Alors c'est très difficile quand vous passez un certain âge pour pouvoir bâtir le caractère. Vous allez voir que parfois tu as brosse là, tu as oui, nous, brosse, pâte, fils. Mais comme tu n'es pas habitué, c'est difficile. Ce sont les mauvais caractères. Par exemple, les gens qui... Excusez-moi, on parle de caractère, c'est pourquoi je rentre là-bas, s'il vous plaît. Les gens qui vont aux toilettes, tu as utilisé papier hygiénique. Aux papier hygiénique. Mais c'est difficile de laver la main. Ouais, non, fait ou nous ni clo. Nous, on nous frappait sur ça. Et non, où est-ce que nous dit? Moi, à l'heure la même, maman me demande, hey, tu as lavé la main? Elle dit oui. Elle va dire, et savon. Parce que nous, là où on est né, là. Fille Jimmy Do. Papier hygiénique, là, même, là. C'est récemment qu'on a utilisé. On utilisait truc de maïs, là. Qui connaît ça, là? Badé Gouti. Quand tu enlèves maïs sur... Badé Gouti. En français, là, quel est le nom? Épi. Ça fait travail là très bien. Et non, vas-y, non, tu te mets. Et quand tu finis là, Cafo, les petits petits là, bah, vie, bah, viens, ça te monte dans ton mouvement là-bas, tu sais que vraiment. Même les cheveux de maïs là, oh, sec, ça fait ça. Badessi, dans les sous.
Mais ce sont les comportements, les habitudes qui font un caractère qui tu es adulte, mais c'est difficile à laisser. Bon, Par exemple, tu vois les gens. Quand on était enfant, on nous frappait quand tu suces les gens. Qui était comme ça, Isila? On va te frapper. À part ça, tu vois les garçons, tu vois les gens, ils mettent sa main en train de tirer de son caleçon. Et là, le chocoto, ton. La fois, il était derrière quelqu'un, la personne ne savait pas. Il est en train de chercher son caleçon, lui seul. Et les gestes là, avant de le faire, tu dis, ah, regardez sur tes épaules, qui est là-bas? Mais lui, il s'en fout. Je dis, hey, quel caractère ça! Je vois les gens qui mettent leurs doigts devant les gens, dans leurs narines. C'est le taille crayon. Pardon? Taille crayon. Ce sont les caractères qu'on a grandi avec qui ne sont pas bons. Je vous ai dit que nous, certaines choses de l'église nous ont aidé parce que déjà, on a eu certaines éducations à la maison. On nous a enseigné à honorer les gens. Je ne peux jamais insulter un adulte. À moins que c'est sur l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour t'insulter. Je dis, ah, si tu veux aller en enfer, il faut aller seul, mais je ne te suis pas. C'est l'éducation que nous on a reçue. Tu dois être sincère. On te dit, si tu as volé, on t'a attrapé. Si tu dis oui, ils vont te pardonner. Mais ça, là même, là, eux aussi ne sont pas honnêtes. Tu vas dire oui, mais. Ils vont te chicoter. Mais ils sont en train d'enseigner l'honnêteté, être honnête. Le caractère, c'est d'assumer ta responsabilité. Non, quand la Bible dit que mauvais compagnie corrompt les bons mœurs, il parle de caractère. Il parle de ça détruit les bons caractères. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous aide à cultiver les bons caractères. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Alléluia. Now, life refreshing. Life is a reflection of character. La vie est le reflet du caractère. The challenges of life is won by the quality of your character. Les défis de la vie sont dominés par la qualité de votre caractère. Écoute-moi, Tommy. Il n'a pas une vie qui est sans problème. Nous tous là, on a nos défis. Ce qui va t'aider, c'est le caractère. Vous savez, la Bible dit que si if somebody take care of another man's thing, they will give him his own. La Bible dit que si vous prenez bien soin de quelque chose qui appartient à une autre personne, vous recevrez pour vous-même. Ça enseigne quoi? Le caractère. Mais beaucoup de personnes n'ont pas ça. Or, beaucoup de chrétiens. Quelque chose qui n'est pas pour eux, s'en fout de ça. Ce qui appartient à quelqu'un, tu protèges ça. Dieu va te donner pour toi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme sème, il le moissonnera. C'est simple. La vie est comme ça. Là où tu travailles, il faut voler là-bas. Tu deviendras un boss demain. Tes apprentis ne vont pas te voler. Ils vont te sacrifier. Ah? Tu as semé vol. Il doit mentionner un sacrifice sur toi. Voici ça, et dans la soie, il y en a.
Prie, on remercie Jésus. Donc, Jésus. Que le proverbe qui dit les enfants ont mangé. Et les dents, les parents mangeaient les réserves. Et les dents des enfants sont agacées. Sinon, il y a des péchés de certains parents là. Qui allaient vous affecter. Par exemple, les parents qui maltraitent les servantes. La personne est servante même. Nous-mêmes, on nous traite comme servantes. J'étais resté avec mon oncle. Mon oncle, c'est un professeur. Mais lui, là, il nous a entraînés comme villageois. La nourriture, on mange là, tu dois cultiver toi-même. On a puisé l'eau. On était à Takpa, mais c'est quelque part au Togo. On a puisé l'eau là. Tu sais, enfant, on ne nous coiffe pas aussi. Il a un tout. Ce que tu prends sur la tête là, ça cuit tes cheveux. On vous... Déjà 3h du matin, 4h de... Et à Takpa, mais il a beaucoup de montagnes, il fait froid là-bas. Vous allez monter sur les montagnes pour chercher l'eau. Lui, il ne donne pas l'argent pour que tu partes à l'école. Tu manges à la maison. On te donne orange. Ou banane. Tu mets dans ton sac. Un jour, j'ai volé son 10 000. 10 000. Je dois voyager pour aller acheter l'Epic 2 à l'époque pour casser l'argent. Et moi, je suis gentil. Hein? On est allé à l'école. Je vois mes amis. Aïmolou. J'achète pour les gens. Mangez! Mais il a un frère du quartier. Lui aussi il a mangé. Et il a venu derrière moi pour leur dire que votre enfant là. Le film est là. Il achète les choses aux gens. Et je prends l'argent. Il a des maisons inachevées. Les briques qui ont le trou dedans là. Je fais comme ça, fais quand je mets dedans mes cailloux dessus. Un jour, je suis venu pour prendre mon argent dans la banque. Voler. On m'a volé. J'ai pas mangé jusqu'à la moitié même. Je suis venu prendre mon argent. À l'époque, on ne connaît pas ATM. Je suis venu prendre mon argent. J'ai enlevé caillou. Il n'y a rien là-bas. Mais ça, mon défini. Mais ça là, ils m'ont frappé. Ils vont frapper, tu dois dire oui avant que tu aies libre. Non, le caractère est très très important. Si vraiment on a développé le caractère, on n'aura pas certains problèmes. Un jour tu vas voyager. Tu ne seras pas toujours au Bénin ici. Et si le caractère n'est ni chinois ni japonais ou ghanéen, quand tu cultives ça en Jésus, ça t'aide partout. On a une soeur au Canada. Nous venons de Canada. Elle chante très bien. Et nous dirons tant dans leur église. À quoi est-on maintenant? Je pense que Abigail is in Canada. Coleman, is she the only white lady? Black. C'est une grande église. Elle a l'opportunité de chanter avec les grands noms. Elle dit, Pasteur Philippe, la jalousie n'est pas africaine. La jalousie n'est pas africaine. C'est un problème humain. Il dit les blancs là, il y a des gens qui font jalousie sur elle parce que on lui donne une chanson à chanter. Et il
Ce caractère, Jijo, ce caractère pas tout. Jijo, fille bien, bien au fil au bois, Phoebe. Les filles blanches là sont énervées. Oh, oh, yovo vigne, on est là, on commence à y appeler. Pourquoi c'est elle qui chante? T'as tout à y avoir de rentrer. Mais quand tu as un bon caractère, à cause de Jijo d'abord, tu peux vivre partout. Ah, non, Phoebe. Que le Seigneur nous aide à développer un bon caractère. Now we also say that your character is revealed when pressure is on you. Nous avons aussi dit que votre caractère est révélé lorsqu'il y a la pression sur vous. Pour le moment, il y a des gens, si tu ne sais pas, toi-même, tu ne te connais pas. Mais de là, le fils, il y a eu tout aidé sous nous. J'ai dit la foi dans les gens ici, vous n'avez pas l'argent de vos péchés, c'est pourquoi tu es toujours saint. Mais de là, le fils, mi do quoi na wa yin do mi no li an do mi e wa zo mi ko do me we yin we. Quand j'ai lu sur Salomon, ça fait rire. D'habitude, quand il a fini le temple et la maison, il a multiplié les femmes. Le frère là, il a multiplié les femmes. Jusqu'à, si le péché n'a pas le frein, c'est pourquoi fais attention aux gens qui n'ont pas encore vu le succès ou l'argent. Qui te promet leur vie. La personne qui est humble, la personne qui a vu les choses, mais décide d'avoir une autre vie. Mais les autres. Il y a des gens ici, tu serais étonné. Que tu... J'ai dit ça la fois dernière, qu'il y a des frères, je connais, qui sont jaloux de Salomon. Bon, et non, on de Salomon. Ah, pour Salomon, c'est bien. Salomon, ton yom. Du coup, tu veux être comme Salomon. À son opoir, nous avons dit Salomon. Qui veut être comme Salomon ici? Mais nous avons dit Salomon, nos filles. Pasteur Goué. Ton mari veut être Salomon. Le prophète presque qui me dit, l'un de mes fils qui dit, ah, il a dit à sa femme que lui, là, si la permission, il allait marier fille mince, grosse, court, grand détail. Il veut avoir le goût de tout, quoi. C'est papa John Megan qui nous a dit, la voix d'un dit, Philippe. Philippe, papa Jamiga. Cette femme n'est pas encore née qui oh. Peut me faire tomber. Il dit, j'ai chicoté même hanche bossu. J'ai chicoté. Et mi kodora o nyonwe kodokopon. Même Abino. O akeyo vo dessous. Il veut tout toucher pour voir les yeux. Badalo le biu. Il chicote, il crie ton nom. Dorora o yana kola nkotwe. Si Jean. Si jeans. Je regardais cette vidéo avec sa femme. Il dit, eh, le vieux là aussi. La manière maman danse, il dit, eh, les deux là, sont, ils se sont attrapés où? Ils se sont attrapés où? Il n'a rien dedans. Petit demain. Mais quand tu n'as pas le caractère, le succès va t'exposer. Oh, nous, quand il y a un on parle de président Clinton. Il a fait des grandes choses, mais il a quelque chose sur lui. Immoralité. Jimmy Chouaga. Les gens qui ont perdu leur ministère à cause des filles. Il y a un grand monsieur qui vient de décéder, ça fait 2 ans. C'est un grand monsieur. Quand il est mort, les filles sortent. Et quoi? Ils ont commencé par témoigner. Au fil des temps, moi, j'ai connu des gens qui sortaient avec les filles. Mais quand le monsieur parle, nous est cadre roi. Je prie, n'ayons pas la vie de Salomon. Minimalement, Salomon est en haut. Salomon sait bien parler. Salomon est trop de grand. Mais il vit le contraire de ce qu'il dit. Amon, nous est là à côté, et nous sommes.
C'est Salomon qui a dit ne donne pas ta force aux filles. Salomon est ma soeur, on a tout là. Mais lui, il a donné sa force. Et il a gazé, on a tout là. Regarde Salomon, il écrit bien. Et non, voilà nous Gandhi. Il a des chrétiens comme ça. Il s'est rendu là des mots. Se développons les bons caractères. Dans Dieu d'abîmé. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. So your character is revealed when it's pressure. Donc, votre caractère est révélé lorsqu'il a la pression. Now, last time we said your thoughts lead you to attitude. La dernière fois, nous avons dit que vos pensées vous conduisent à l'attitude. And your attitude lead you to words. Et votre attitude vous conduit aux paroles. And those words form your actions. Et ces paroles forment vos actions. And your actions form your habits. Vos actions forment vos habitudes. And your habits to character. Vos habitudes vous forgent un caractère. So, your character now determine your destiny. Votre caractère détermine votre destinée. La Bible dit que l'homme qui sait parler mangera le fruit de. Quand on dit destinée là, c'est pas seulement les bonnes choses. La destinée veut dire la fin de ta vie, la fin, la conclusion de ta vie. Oh, when we fall, dans tout le temps. So your thoughts lead to attitude. Vos pensées vous conduisent à l'attitude. Your attitude lead and form your works. Vos attitudes forment vos paroles. If you have an attitude not to respect people, you start insulting. Si vous avez l'attitude de ne pas respecter les gens, vous allez commencer à les insulter. Your words will form your, will control your actions. Vos paroles vont contrôler vos actions. Your actions are your habits. Vos actions sont vos habitudes. And habits form your character. Vos habitudes forment votre caractère. Your character determine your destiny. Et votre caractère détermine votre destinée. Ici, la vie chrétienne n'est pas seulement au Bénin. Ici, nous aussi, nous avons un Bénin, tout le monde. Ok. You know you one day. Vous vous connaîtrez vous-même un jour. Your Christian life is not only in Benin. Votre vie chrétienne n'est pas seulement ici au Bénin. So open up. Alors soyez ouvert. Sinon tu peux pas vivre avec les autres chrétiens. Mais si non pas quoi ils se nous dévoilent quoi. Tu peux pas. Assis quoi? Moi je suis comme ça. L'homme, la personne qui n'a pas de caractère, c'est lui qui dit oh, moi je suis comme ça, je suis comme ça. Mais on était quelqu'un comme ça, mais Jésus doit nous transformer. Moi, parce que ta vie ne sera pas seulement Cotonou, Ouida. Il y a des gens ici, tu dois aller au Canada pour faire des choses. Tu dois aller dans d'autres pays pour faire des choses. Et chaque nation avec leur caractère. Et la mission, tu ne peux pas faire la mission si tu n'as pas de caractère. Tu vas causer les problèmes. Au Ghana, il y a un village, quand il veut dire Dieu est bon, dans leur langue, dit Dieu n'est pas bon. Au Ghana, il y a un village, quand il veut dire Dieu n'est pas bon. On est allé là-bas à. Les gens disent, ce qu'il veut dire, c'est leur manière de glorifier Dieu. Il y a beaucoup de soula là-bas. How? Il dit non. C'est leur manière de dire ah, Dieu est bon. Moi, non, non, bon. Que le Seigneur nous aide. A quoi nous allons nous? Qui a une question à poser? Mais le rock cambio dit. Now, le dimanche, on a vu certaines réactions où les filles nous disaient ce qui les hommes font, font. A quoi nous allons dans leur caractère qui les dérange. Nous, et sous la nombre de tigres, tombe à notre tabanier.
On voulait aller en profondeur aujourd'hui, mais on a aussi we saw last time that your ability will get you up, but your character will keep you there. Nous avons vu la dernière fois que votre habileté va vous mettre à un certain niveau, mais le caractère va vous y maintenir. So normally we say your charisma will lead you up, but character will keep you there. Normalement, on dit que votre charisme vous élève, mais votre caractère vous y maintient. Now, il y a la différence entre la réputation et le caractère. La réputation, c'est ce que tu montres aux gens que tu es. Et ce que les gens ont accepté de toi. Mais le caractère, c'est vraiment ce que tu es. Et ce que Dieu sait de toi. Tu peux, avec l'hypocrisie, avec prétence, fonder une bonne réputation. Avec médias, tu peux avoir des réputations. Mais l'intégrité est différente de la réputation. Your reputation is what you build for yourself. Votre réputation est ce que vous bâtissez pour vous-même. But your integrity is God giving life, instruction that is embedded in you. That influence your life. Mais votre intégrité est cette vie-là que Dieu demande pour vous, qui est bâtie sur le caractère que Dieu bâtit en vous, le caractère autant pour moi. Alléluia. Amen. Mais de l'or, parce qu'il y avait une question. Seigneur nous aide. Mais de l'or, cambio. Shalom la sœur. Excusez-moi beaucoup papa. Par exemple, tu as un mauvais caractère. Mm-hmm. Les gens te reprochent ça. Toi, tu sais que tu as ce mauvais caractère-là. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour laisser ce mauvais caractère-là? Par exemple, la colère. Maintenant, comment tu vas faire pour laisser la colère-là? Toi, tu sais que tu es colérique. Maintenant, comment tu vas faire pour laisser la colère? La colère a beaucoup de niveaux. Il y a des gens qui ont la colère qui est influencée par un démon. La colère aussi est... people can get anger from family line. Les gens peuvent aussi avoir la colère par leur lignée familiale. C'est comme héritage. Maman est colérique. Et c'est dans la famille, il y a des gens comme ça. Ils tombent en colère pour rien. Mais il y a ces choses aussi, il y a un démon derrière. Il y a des gens, la chose c'est simplement un problème d'attitude et de comportement. Mais quand ça devient spirituel, on doit t'aider avec beaucoup de choses. Il y a la délivrance, tu dois te mettre en jeûne. Mais ce qui est caractère, tu peux arrêter ça. Mais quand l'orgueil, beaucoup, les gens qui sont colorés sont orgueilleux. Et ils ne vont pas accepter. C'est l'orgueil aussi qui fait que tu n'acceptes pas que c'est l'orgueil qui fait que tu es colorique. Il a la colère en deux formes aussi, qui est la personne a raison d'être colérique et la personne n'a pas raison aussi. La personne qui est colérique, qui est devenue grave, c'est les gens qui tombent en colère pour les choses qui n'ont pas de... Parce que la colère, c'est un sentiment émotionnel. La Bible dit que tombe dans la colère mais ne pêche pas. N'est-ce pas? La Bible a dit que le soleil ne suit ta colère. Mais là, des gens, quand ils tombent en colère, ils détruisent tout. J'ai connu un monsieur au Ghana. Il prend sa télévision. Ce sont comme les éléphants. L'éléphant, quand tu l'as provoqué, il n'a pas pu te battre. Il va chercher déterrer un arbre.
J'ai un frère, j'étais pas là-bas, on m'a dit, il était énervé. Romain, il est venu dans leur col, il a donné un coup de poing au mur. Boum. C'est démon. Il y a ma idée. Tout ce qu'ils ont bâti, acheté, ils vont détruire ça. Nous des sinon ça quoi vous connait, il n'a rien biblé. Mais tu auras toujours les provocations si vraiment tu veux être délivré. Nous adina mon cas tout on, mais là bah quoi dire. Tu as besoin de brisement. Adore ou donc barre un temps. Écoute-moi. Dotomi. Tiens ton oreille. Dis j'écoute. Dans le tonneau. Dis pasteur, j'écoute, oh, j'écoute. Le tonneau. Acclame Jésus. Voici quand Jésus. Je vais te dire. Parfois, where est l'ennemi? Dieu lui-même. Mao des soirs. Il te donne un leader. Et nanawe oh, nous comptons des capi platode. Pour te briser. Bon amour, t'es mon barre rien. Vous tous là, Dieu vous connaît. Mao tout mimi. Tu peux imaginer, on t'a donné un leader prêtre catholique. Ah, leader, ça, ou nous comptons, ou mon père catholique attendait nous. Ce que tu vas devenir. Nous, on a reçu. Dieu a dit à Ézéchiel, dit, ton front là, je veux faire ça, faire, contre leur front. Ma, ou donne-nous Ézéchiel, on a ça, nous comptons, ça, ou bien, parfois, Dieu nous donne un leader. Tout le monde te comprend, lui, il refuse de te comprendre. Mais, bien, il peut nous retrouver, quand il peut nous retrouver, il peut nous retrouver. C'est un marteau sur toi. La Bible dit que est-ce que l'argile peut dire au potier comment on doit le former? Quand c'est qu'on doit nous mettre en bleu, on est en bleu bon. Quand tu échappes la classe de brisement, nous attendons si on va ça va t'attraper demain. Ça est dans la houle. Tu vois, Joseph ne savait pas comment ça, quand on ment sur quelqu'un, comment ça est. Joseph, toi, tu ne vas pas garder les animaux avec tes frères. Quand papa dit qu'il faut voir les gens, il faut nous dire notre problème. Tu es venu, on va tuer l'animal, on mange à ça, on vient à la maison. Tu vas parler derrière nous. Quand la femme de Potiphar a mis sur lui, il a senti ça. Potiphar s'est assis dans le tibano coton et dessous mon dénotier. Joseph qui ne demande pas aide. Joseph est mon ami à l'encore. Parce qu'il est né prince. Donc, et tu as revu. Dans prison, il a demandé, souviens-toi de moi. Au camp, mais et donc, il fait qu'un beau flim, il s'adore. Parce qu'il a appris la chose. Donc, et mon coup, jamais il nous plombe. Il y a des gens, si tu ne connais pas ce qui est la fin. Mais il y a des filles à tout le monde. Parce que tu es un papa qui donne. Il y a des gens, tu ne connais pas ce qui est quand tu n'as pas payé ton loyer. Il y a des filles à tout le monde. Tu donnes. Tu ouvres le robinet, l'eau sort. Tu allumes la courant. Chaque fois, il y a quelque chose dans le frigidaire. Tu as besoin de brisement. Alors, tu as besoin de brisement. Viens, on va aller en mission. Ouais, mais là, il était visant. Ou le brisement, ou même pour avoir Vania. Barayan, il en a un. Toi qui es orgueilleux. Ouais, mais quand il goïto. Ça m'a dit, s'il vous plaît, papa. Non, quelqu'un est touché. Moi, j'aime pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît, papa. C'est naturel, il y a tout. Il boit bien. J'ai pas de vania. Non, parce qu'on parle de vania, on sait que le sang coule sur toi. Quand j'ai le voyen. Il y a des gens qui mangent sans avoir faim. Mais les tiens, on ne connaît pas encore. À toi. Il y a des gens qui boivent sans avoir soif. Mais les tiens, simplement si hier. Dis-moi, quelle est la dernière fois que tu as eu soif? Simplement si hier, on est bloqué. Tu as soif ou ton ici l'a fait oulou? Il y a la faim quand ça te rattrape. Ton plafond fait comme ça. Plafond c'est comme l'hélicoptère.
C'est tout quand tu es dans la cour commune. Quand tu n'as rien, mais de l'autre côté, on est en train de préparer l'odeur. L'odeur t'invite. Salive, crachat. Attends. Quand tu avances, tu as mal au ventre. Ça, c'est ce que tu as fait. Il y a des gens là, vous mangez seulement. Un jour, j'ai pris un wok. J'ai mis dans eau sel. Salé. À l'époque, là où on écrase piment là, tu as wok là, tu vas chez toi. Vous savez pas, vous savez pas. Hmm? On achète votre truc là, watcher là, aïmolou. Atassi. Atassi. On met gari. Tu achètes gratin de atassi oh. Canzofio. Atassi de ofio. Tu mets gari dedans. On est là on gari à dedi. Là beaucoup tout temps. Est-ce que gratin on met gari dans gratin? Garido, t'as fio fio dieu. Haricot même là, le gari qui est mélangé, le gari haricot est 17, mais le gari là, c'est les millions millions. Tu manges. Et non d'où? Tu dois me pimenter, comme ça tu peux boire de l'eau. T'as qui on a sous quoi nous aussi? C'est toi. Tu manges pour 3 jours. Andou nous à Satan. Un jour, moi et mon frère, on allait manger quelque part. C'est un restaurant. Restaurant. Je parle de restaurant africain. Au même 8 ans. On est en train de manger. Monsieur, nous, notre plat n'est pas ça. Mais on a vu lui la viande, poisson, les choses comme ça. Et on est en train de couvrir. Le monsieur est en train de manger. Et du coup, il a laissé sa nourriture, il a levé sa main. Mon frère, là, lui, n'a pas honte. On l'a venu. Non, mais sous nos mitons, il y a un oui. Il dit, Edouard, minime. Il a pris les viandes. Et il a, et c'est là, il est gilet. Merci. Où ça doit être dit? Celui là, il a eu, il dit, il ne veut pas manger. Et il a dit, il y a un oui. Et si le monsieur retourne pour prendre un outil, on aura problème. On ne sait pas que ses ventes. Il veut aller aux toilettes. Mais le bouteau est déjà. Tu peux la laisser une nourriture. Et tu la laisses sa main. Pour le bonito. On s'en fout de ça. Mon frère, il a soulevé. Et c'est un temps bon. Mangeons. Et de nous. Mais vous avez besoin de brisement. Donc, vous devez barrer un temps. Le caractère que le Saint veut nous donner est au contraire est contre le caractère adamique. Oh, Didjo, à quoi l'on a mis? Et sort à Didjo, Adam, tu es le mimeï. Il y a des gens, tu n'as jamais vécu avec quelqu'un. Mais il est le fille, à non, pour m'aider, il faut qu'on prenne. Tu sais ce que ça veut dire? Tu mets ton. Ou tu n'es pas. Tu n'es pas en charge. Ou, non, et la personne te montre que tu es chez lui. Bon, mais on a clair de dire, il y a des migons. Qui connaît ça là? Mais tu es né. Et qui a fait ça là? Mais bleu, hein, fille. La personne te parle indirectement. Et là, de renoué, bon, à la tout. Hein? Moi, je vivais dans la cour familiale, mais je n'ai pas un coin où je dors. Et Mido, un dossier, oui, mais quand fille, il dort. Tu le monde que c'est ma maison. Mais bien, tout dans quoi, Mido, bleu. Et nourriture aussi. Doudou, à des soins. Si tu es là, on prépare, tu manges. Si tu n'es pas là, ça finit. Qui va te donner à manger? Maintenant? Si tu es là, on a préparé. Dis, ah, Mine est viré. Donne-lui un peu. Mine est perdu. Si on avait un plan dans la maison, on vendait comme. Qu'est-ce que ça comme. So, quand les vendeuses vont, notre prière, on ne veut pas que. Ils ont mâché. Ça revient. Sur la nuit. Nous amènons. Ou le lendemain. A bien été longtemps. Ça là. Et néon. Je mets sucre dedans. Non, non, c'est sucre. Nous, on a commencé par jeûner à base de ça. Tu jeûnes, tu coupes tes jeûnes avec ça. Et blanc, nous, nous sommes tous là. C'était comme ça la vie. Moi, je suis là. Mais le Seigneur va te briser pour que son caractère soit établi. Et quand tu passes dedans le jour, Dieu te donne l'opportunité. Tu auras compassion aux gens.
Il y a des gens, ils ne peuvent jamais écouter Dieu. They can never hear God to give something to somebody. Ils ne peuvent pas entendre Dieu pour donner quelque chose, entendre Dieu pour donner quelque chose à quelqu'un. Parce qu'ils n'ont pas le brisement. Oui, donc, pas rien. Si tu connais la souffrance, à tout ouvert, tu seras disposé que Dieu te utilise pour être quelqu'un. Qui comprend ce que je dis là? Mais de mon Dieu. Il y a des gens, eux, ils reçoivent seulement. Eux, Dieu ne les utilise jamais pour bénir les autres. Quelle est la dernière fois Dieu t'a dit? Faut aller donner ça à celle-là. Faut donner ça à celle-là. Je ne parle pas des filles que tu veux draguer. Oublie ça. Vos petits cadeaux méchants, méchants. Je ne parle pas de Saint-Esprit t'a inspiré. La fois des mamans, parce qu'elle nous a donné Kanami, on a envoyé Kanami et on criait. Hey! Mais on m'a dit qu'on a déjà acheté. C'est venu. Hein? C'est pas Kini Kini au Kanami. Tu connais Kanami? Akasa. Ah oui, ça, oui, oui. On voulait la chose. On a déjà envoyé. Boye Kosedo. Mais la chose est venue. Non, Kawa. Qui est une fois dans le besoin et la personne t'a donné, et tu sais que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais le route de mes combats, ça touche. Mais quand tu n'as pas le brisement. Non, ma carte pas rien. Tu ne peux pas sentir quand quelqu'un souffre. Tu ne peux pas. It's not every money that you have that is for you. Ce n'est pas tout argent que vous avez qui vous appartient. Dis ça à ton ami à côté de toi. Non, mais la patrie. C'est vrai. Boy. Tu as la dîme qui sont dedans, offrandes qui sont. Mais à part ça, il y a et béni les frères et les sœurs. Béni les frères et les sœurs. Aujourd'hui, les gens ne savent pas donner. Tout le monde veut. Donne-moi. Le donneur est béni plus que le. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'aide à donner. Let's take peace so that we close. Toi aussi. Shalom. Hein? Please. Faut traduire la sœur. Please, I want to know, as a Christian, how can you overcome your character whilst you are trying to make it work, please? Elle demande en tant que chrétien comment est-ce qu'on peut arriver à dominer le mauvais caractère. First, you must accept that you have a bad character. L'homme de Dieu dit en premier lieu, vous devez accepter que vous avez un mauvais caractère. If you don't accept it, people will be saying it and you will never agree and you can never change. Si vous ne l'acceptez pas, bien même que les gens en parlent, vous n'allez jamais. Accepting it then lead you to look for solution to change it. L'accepter vous conduit à chercher les solutions pour le changer. So, and after that you can pray, and yeah, you should know that what is in your character. Et après cela, vous pouvez prier, mais aussi il faut savoir il y a quoi et quoi qui est impliqué dans votre caractère. Amen. Amen. Yeah, pastor. Ok, que le Seigneur te bénisse, papa. Je voulais donner un témoignage par rapport à la colère. Moi aussi, j'avais ça. Ou quand je suis fâché, je casse mes téléphones. Je jette tout ce que j'ai. Voilà. Mais quand je vous ai rencontré, votre, je ne sais pas si je dois dire votre caractère, mais votre façon d'être m'a aidé. Parce que j'ai reconnu l'autorité que vous êtes sur moi. J'ai décidé d'accepter tout ce qui vient de vous. Même quand je pense que c'est juste que vous me dites non, j'accepte le non. Ce n'est pas facile. Et donc, ça m'a aidé à me débarrasser de la colère. Je me suis marié étant colérique. J'aimais casser mon fer à repasser à cause de colère. J'ai cassé comme si voiture est passée dessus. Et ce n'est pas que j'ai jeté, c'est arrêté puis il est fait comme ça. Vous avez vu ça? Mais non, quand vous qui veut marier les garçons, bébé là. Sous le nom de Siromele.
Les garçons bébés là, qui sont colériques. Si le frère casse, fait repasser. Le jour où il a branché ça, met ça sur ton visage. Vas-y. Alors, mais quand chaque fois que quelque chose me concerne vient vers vous, je ne vous vois pas me donner une oreille attentive. C'est chaque fois, Limé, frère, tu n'es pas sage. Frère, corrige comme ça. Et comme j'ai accepté que ce qui vient de vous va m'aider, j'ai commencé. Je ne sais même plus à quel moment c'est sorti de moi. Amen. Je ne sais plus. Les colères où souvent tu peux prendre, dans, tu sens que Dieu doit prendre bois pour taper la personne. Mais tout ça, ça a juste évaporé. Donc pour pouvoir dominer aussi la colère, il faut reconnaître une autorité spirituelle sur soi et accepter son éducation. Voilà. Donc ça, c'est simple. Vous devez savoir que là, j'écoute les gens qui disent, moi là, c'est Jésus, oh Jésus. Jésus aime, Jésus aime. Ah, Jésus n'a qu'à prendre le micro pour t'enseigner. Jésus n'a pas le micro pour t'enseigner. The fact of a man, the side of man in our day-to-day life is very important. And God himself established that. Et la présence ou le fait d'un homme dans notre vie est important. C'est Dieu qui l'a établi. Quand Dieu veut sauver le monde, il nous a donné un homme. Un Dieu non homme. Qui est Jésus? Hein, Jésus. Ce n'est pas bon d'être têtu quand tu es un leader, quand tu es à l'église. Il y a trois choses importantes dans la vie. Connaître ton Dieu. Très important. Pataki. Maintenant. We go. Quand tu connais le Dieu vivant. Nous tu dois chercher là où l'adorer. Toute église n'est pas de Dieu. Et toute église qui était de Dieu ne finit pas avec Dieu. Tu peux être sincère, mais ton église peut te mélanger et tu perds ton salut. Il n'a pas émotion avec ça. C'est la vérité. Quand on parle de l'église, on parle de qui est ton pasteur. Il dit, je vous donnerai le pasteur, le berger selon mon cœur. Allez dans les églises, vous allez voir. Leur intérêt, c'est quoi? L'argent. Combien de l'église ont fait asseoir les gens pour les enseigner les choses basiques comme le fait. On a bien ensemble les tiens, mon plan nous les nous donne. C'est les David, les Jacob qui sont prêchés là-bas. David, Jacob, les venons là le fin. Construit l'hôtel. Il n'a pas pour ça quoi. Construit l'hôtel, ça veut dire que. Il n'a pas pour ça quoi. Tu m'entends? Non. Des dan. Quoi on a bien semé. Ah don. Et vous venez semer sur les carreaux. Comment ça va pousser? Ouais, non, on te vient semer, tu as mis ton agent sur carreau. Caïn. Ouais, caïn. Comment ça pousse? Maintenant, où bon? Ton église peut t'amener à l'enfer facilement. Trois, à part ton pasteur, à ton conjoint, la personne que tu maries. Ouais. Pourquoi tu casses, fais la repasser? Est-ce qu'il est fou? C'est provocation de mariage. Provocation de mariage. Un homme qui doit protéger sa maison, c'est lui qui casse. So, quand il vient me dire, je vais aller supporter. Comment je vais aller supporter? Abat le mari qui casse les fers à repasser. Abat. Ça, c'est quoi là? Je vous ai dit ici, le mari là. Assoua. Le mari ne se fâche pas contre sa femme. Le mari, tu parles à ta femme. Hein? Frère. On parle. C'est une décision que tu dois avoir. Tu parles, les frères, tu parles à ta femme. On ne fait pas argument avec femme. Tu parles.
Moi, j'ai insulté ma femme. Mais là, ils ont assez mis ton. En septembre, on aura 7 ans de mariage. Au septembre, il y en a beaucoup. Tiens, oui, bah, il y Amen, amen, amen. Tu acclames, tu n'acclames pas, je m'en fous de toi. Ça sera 7 ans. 7 ans. Vous savez. Insulter ta femme. Elles sont assez douées. Il y a une manière comme ça, quand ta femme te voit, dit ah Seigneur, merci. Non, nous, assis, tu es moi, de m'avoir donné ce temps. Et quand vous cassez les verres, cassez les fers à repasser. Cassez le téléphone. Bah, le canard est soi. En tant qu'homme de Dieu, si même ta femme n'a pas raison, assis, toi, si, oh, ouais, ma très joie. Devant moi, elle a raison. La force, c'est quand tu peux avoir la maîtrise de soi. C'est faible de se venger. C'est faible. C'est faible. Les gens faibles se vengent facilement. Regarde Jésus, on le frappe, on Jésus, le... Oui. Il dit, Seigneur, pardonne-le. Que la colère sorte de notre cœur. Amen. Mais les Amen. Femmes impolies aussi. Là. Les femmes impolies, votre bouche, c'est votre problème. Ce que femme peut dire, leur bouche là, nous étonnons. Et les frères qui n'ont pas la maîtrise de soi, chaque fois leur mère dans la alors, dans le visage de leur femme. Alors étonnons de assiettons si nous coumen. On te voit là, soeur, il y a quoi? Non viens nous éteindre Jean. Non, je suis en train de griller poisson là. Et au revoir rinde bon. On t'a giflé, tu dis. Au temps nous pardon. Et mais le revoir rien. Quand tu ta maman te parle, tu n'as pas écouté. Non, toi, donc, on est bon à masser, alors. Ils vont te gifler dans le mariage. Alors, où ils mènent à côté de moi. Moi, mes filles, tu as giflé. Fini, on a mis toi là, nous, à côté. Ta mère, là, sera paralysée. Alors, elle n'a pas de problème. Moi, j'ai deux filles biologiques. Et mes deux filles, nous, oui. Et mes deux filles, nous, oui. Tu fais ça, frère, tu es mort, tu es cadavre. Abloa, quand tu tiens au rône. Tu es cadavre. On t'a enterré avant de régler le problème. Hein? Tu es là même, là, ta mère. Alors, fini, alors, tu es né, hein? Ta mère est morte. Tu es alors, vivant, tu es au courant. Abat les maris qui frappent leur femme. Abat. Il y a des femmes aussi qui frappent Marie. Hein? Mais les maris ne peuvent pas dire. Tu peux imaginer un frère vient ici. Que... Parce que ma femme me frappe. Pourquoi tu as cité Romy? Cette chanson là, je sais pas. On va chanter ça pour lui. Mais il y a des femmes qui frappent les maris. Tu vas dire quoi? T'es à nous. Il y a un monsieur court qui aime boire. Mais il est orgueilleux aussi. Un jour, il a bu. C'est lui qui dormait dehors là-bas. Et sa femme allait le soulever. Pour mettre dans la chambre. Le monsieur s'est réveillé. Il dit, hey! Hey! C'est pas ici que j'ai dormi. Il a appelé sa femme. Viens ici! Ma fille. Comment je suis rentré ici? La femme dit, ah, tu non, dormais. Non, Adam, non, il dit, tu m'as soulevé. Il a semi. L'orgueil du frère. Goyi, non, tu bientôt. M'as soulevé. A semi. Le frère est levé. Mais c'est lui qui est. Et il a carotté. Pardon. Quelqu'un. Acceptez un bon caractère. Il est venu chez Dagbele. Ce n'est pas un bon caractère d'avoir l'orgueil. Et il dit, Dagbele, il n'y a pas. Dernière chose, caractère is doing the right thing when nobody is looking. Le caractère, c'est faire la chose qui est juste quand personne ne vous observe. Caractère is
is to do the good thing when no one is looking. Le caractère, c'est de faire ce qui est juste quand personne ne vous observe. Qui a dernière question? Mais nous recambions pour tout le temps les. Yeah. Vous étiez en train de parler tout à l'heure de la colère. Et le frère, le pasteur Timothée, il disait qu'il a cassé son fer. Mais moi, j'aimerais poser la question. Il y a des gens, quand ils se fâchent comme ça, ils ne réagissent pas. Ils gâtent ça, ils sourient comme si de rien n'était. Ça, c'est la folie. Est-ce que ça, là, c'est maîtrise de soi? Parce que, par exemple, moi, quand moi je me fâche, je vais te sourire. Sans... Mais, non, tu es un assassin. Dans les films, là, quand film les assassins veulent te montrer, là, ils rient. Mais est-ce que quand tu ris, là, tu souris, là, qu'est-ce qui suit après? Genre, quand tu me fais le truc et que je me fâche, je garde ça, quoi. Je te fais rien, je vais juste sourire. Parler, et ça finit comme ça. Ça finit, mais au fond, là, je sais que... C'est ça que je dis, là. Ça, c'est méchant. Et non, rien. Mais écoute-moi, ce n'est pas de ne pas exprimer ce que tu sens. Tu peux exprimer la chose, mais sans empêcher. Mais soyons sages. Quand il a gonflé, ce n'est pas là-bas que tu vas insister ta raison. Quand il a gonflé, si l'autre l'avait parlé, tu le laisses parler. Parce que dans le bruit, là. On a un proverbe chez nous. On dit quand tu es dans la douche, le fou est venu prendre tes habits sur le mur de la douche. Et tu as sorti nu et tu cours derrière le fou. Au lieu de dire un fou, moi dit deux fous sont en train de courir. Deux fous sont en train de courir. N'est-ce pas? Quand tu es en colère, ne prends pas les décisions. Quand tu es colère, si tu en as dit, je ne veux plus faire ça. Tais-toi. Mais quand on dit tais-toi, c'est là les gens veulent parler. Et ça tremble. Et je vous ai dit, quand vous êtes trop content aussi, il ne faut pas faire les promesses. Tu peux dire ce que la personne dit, tu n'aimes pas. Ou comme tu dis, tu recules. Tu traverses sur toi. Et tu as des mots qui te protègent. Thank you. Merci beaucoup. Et tu recules, tu traverses, tu les laisses à Dieu. Rire, tu donnes sourire, mais à l'intérieur. Là. Il y a des gens là, ils sont colériques, mais tu sais pas. Mais la personne geste, ça là, ça va te tuer aussi. Absalom. Quand on a vu le sa sœur, la Bible a dit, n'a dit rien de mal ou de bon. C'est comme il a gardé ça 2 ans, non? Oui, oui. Mais quand il veut, il veut tuer. C'est pourquoi vous là, les hommes ne sont pas comme toi. Aimez les gens qui expriment leurs émotions pour dire que j'aime pas aimer ça. Non, il y a des gens qui ne vont pas exprimer, c'est pour te tuer. Quelqu'un qui ne te salue pas, il a appelé fête, tu y allais. Moi, je parlais. La personne, il a un frère comme ça. Non, venez le mot. Qui allait faire les choses derrière sa femme. La femme l'a attrapé. Mais quand elle est venue à la maison, la femme l'a reçu. Bonne arrivée, chérie. La femme a préparé la nourriture. Il a attendu un jour. La femme n'a rien dit. 2 jours, la femme n'a rien dit.
Troisième jour, Asa Tongogbio, il a commencé par ramasser ses affaires. La femme dit, ah, tu vas où? Il dit, lui, il quitte la maison. Il ne sait pas pourquoi la femme n'est pas fâchée. Et tout, nous, la salle, tu vas tuer l'homme. Il est habitué à la colère. Et quand les gens qui veut crier là, parfois là, il sait qu'il a tort. Mais non, d'avoir tout le remis ton kunjao. C'est pas ta part, le reste là, c'est pour faire. Il a bon à monter pour tout rester mec bédé. Il a dit à sa femme que ah moi je sors de ce mariage. Donne à si ton ami n'a mis ton si mi bag, mais ton abo ton si mec. Je t'ai fait du mal, tu m'as pas insulté. Ou à nous y a nous bagazumi hein. Tu m'as pas grondé. À caler de chile hein. Maintenant tu me donnes nourriture. Tiens bon, nous nous n'amie ouais. Tu es trop gentil. À Oyon Romedi. Le monsieur veut quitter le mariage. Mais il a pris ce que la femme veut l'enseigner. Tu veux être comme Élie ou Jésus. Jésus. Jésus pardonne. Jésus aime ses ennemis. Jésus non yiwa nous kento tonle. Jésus est véridique. Jésus non donne beau. Tu es quelqu'un, tu ne parles pas avec. Aïe, mais d'abord. Tu as des gens dans ta vie, tu ne parles pas avec eux. Ado, mais de l'air, tu es un peu de roca. Il faut aller faire la paix. Il bloque FIFA. Tu envoies testo. On a voulu en. C'est le but de tout ce qu'on enseigne là. Nous, tout le monde, nous plombons les dents. Sacrifiez vos raisons. Ouais, j'ai mis ton l'air, mais non, c'est Ike. Envoie testo. Pourquoi on s'aide? Hébreu 12, verset 14. Hébreu, t'as eu ramé à faute un gros repos. Recherchez la paix avec. Niba FIFA pour mes tous. Pour pas tes amis. Qu'est-ce que tu as eu? Tous les deux. Avec. Mais puis. On peut lire ça rapidement. Hébreu 12, 14. Hébreu, t'as eu ramé à faute un gros repos. Et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Clan de oui, mais voir mes deux bousses comme Maoua. Hébreu 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Avec les amis? Non. Avec tes chéris? Non. Réponds-moi la sœur. Non. Ah, avec tous. Comme un pipo. Tous, je dis tes ennemis. Oui, que toi, tu es là. Les gens qui ne sont pas gentils avec toi. Mais maintenant, on recommande de rechercher. Bah, FIFA. Il n'a pas dit chercher. Et donc, il n'y a pas rechercher. Maintenant, le biba est rubin. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. So maintenant, disons, qu'on dit quelqu'un impuissant. Ce n'est pas la personne qui casse les chaises là. Il fait sa main là, comme ça tu le montes. Ça c'est connerie. L'homme de Dieu est puissant. L'homme de Dieu qui est puissant, il sait pardonner, il sait aimer. Ouais. Hein. Le jugement sera sur nos caractères. Sur nos caractères. Si on te donne une sœur, de l'aider, aide la sœur à passer son bac. Tu allais enceinter la sœur. Des gens ici, tu sors, il a une soeur, tu dois envoyer tes soeurs. La soeur, vraiment, pardonne-moi. Il était maltraité. Les filles qui ne sont pas éduquées aussi. Tu peux imaginer, non, moi, je suis un garçon, je viens d'accepter Jésus. Jésus, c'est. J'ai sorti de la rue pas longtemps. Une soeur m'a demandé d'acheter Baya. Bon, on vient de me dire, et toi là, ouais, oh. Je vais, tu vas apporter. Elle a apporté. Bah, tu cherches quoi? Tu demandes ça à un garçon? T'es pas de vocal, on est bien sous nous.
C'est manque d'éducation où certaines choses, tu demandes au garçon qui n'est pas ton papa, qui n'est pas ton pasteur. Et la fille, viens frère. La fille qui parle au garçon, c'est toi fille qui touche garçon. Et frère Stéphane. Jésus. Jésus n'allait quoi? Et ta main est sur poitrine de Stéphane. Alors, le frère aussi est boum. Il fait à tout. Il est comme ça. Toi-même, tu sais que. Tu l'as mélangé. Ah, oublie. Il ne sait pas quoi dire. Et tout nous en adore. À bas les filles qui touchent les garçons. À bas. C'est pas. C'est manque d'éducation. Oh, pour l'homme, c'est. Et tu as toujours. Il a toujours quelque chose que tu veux enlever bon. Dans le cheveu du frère. Bon, de l'autre, bon, alors, il y a des signes, on vit sous nous aussi d'amen. Et frère, il y a quelque chose ici. Et ta main. Bon, alors, tu es là. Un touché cheveux du frère. Bon, il y a là, on vit sous nous aussi d'amen. Et du coup, lui aussi, courant rentre bon. Dans lui. Et de soi, courant. Kuranaï. Il est électrocuté en même temps. Kuran l'a pris. Kuranaï. Celui-là est là. Refiné. Il est mélangé. Oboulou. Son plan, c'est pour te manger. Titoton, il est là. Parce que tu n'es pas discipliné là. Doua nous, nous, c'est un dia. Il a vu ce qu'il nous a dit dimanche que. Nous venons de l'or. Lui, là, quand tu l'envoies testo. Nous, à Roland, c'est 2 millions. Ça a fait mouvement. N'est-ce pas les soeurs? Non, demi, bien, la soeur lui dit merci. La soeur lui dit non, quand le garçon l'envoie testo. Alors, on a vu ça aussi quand il dit qu'on envoie testo. Non, c'est dit. Toi. Avec les quoi? Avec les petites choses là. La soeur est partie. Et voilà. Mais les frères n'ont pas dit ce que les soeurs font. Donc, qui nous. Nous vivons sous les cadeaux, nous vivons violents, nous blouons. Ils ont dit, Jonas, tu n'étais pas là ici. Ils disent, vos pantalons sautés serrés là. Pantalons, Léo. Jonas, vos pantalons sautés serrés là. Pantalons, Léo. Ils disent, surtout quand vous êtes assis, t'as dit, nous vos mouvements. Ouais, nous mettons, Léo. Hey! Ah, les frères, viens. Le gars congolais là, tu vois ce qu'il a fait là? Ça c'est quoi? Il a certains cheveux. Les soeurs, ils ont dit Daddy ça. C'est un cheveu. C'est un barbe. La personne. Il a tracé. C'est comme tu es un dessin animé. La soeur non plus. Tu es en train de adorer, Barou. Diriger l'adoration, mais la soeur elle est nous quand les soeurs nous ont dit, dis-moi, maman, parce que l'onction aussi. Ah, mais si ça reçoit. Ils disent, ils aiment l'onction. Ah. Mais ça, là, ce n'est pas nos problèmes. Ah. Mais les garçons aussi aiment les filles. Sont les déçus. Mais le téléphone cause beaucoup de problèmes. Et non, oui, le téléphone. Alucan. Sur les messages, les emojis là. Oui, non, c'est dommage. Les WhatsApp, ça touche le cœur. Nos mamans n'avaient pas ce problème. Non, mais toi, tu as hein? Vous avez problème, oh, les soeurs. C'est pourquoi vous mariez les gorilles, les kinikini, les singes. C'est facile à vous mentir. Et beaucoup de gens facile à vous mentir. Et beaucoup de gens les soeurs ont dit quand l'homme s'habille bien. Non, viens là, nous sommes gandillons. Et ça là, c'est pas mal. Et nous sommes là. Habillé bien. Nous sommes gandillons. Mais les pantalons serrés sautés là. Pantalons et notre aimé. Pourquoi à bas les pantalons serrés sautés. À bas. À bas, les filles disent à bas. Il dit que pour toi là aussi.
Il dit que la vie soit longue. Et d'avoir ni des gars. Soit long. Ni des gars. Frère, pour ta vie, tu vois. Hein? Que la vie soit longue. Avoir ni des gars. Parce que la soeur n'est pas venue à l'église. Nous ne venons pas à combien. Pour être tentée. On allait à Jaïa. Elle a échappé les gorilles du monde. Et Romeo, mais là, Romeo, t'en es. Elle a la soeur, une soeur qui était ici dimanche. Non, viens, elle a la grosse fesse, mais ce qu'elle a porté. Elle a poussé la chose. De nous entend. Tu veux pas, tu veux pas, tu dois voir la chose. Bakwa, en amont. Non, c'est la vérité. Ngo, tanda mère. Tu veux pas, tu veux pas. Bakwa. Tu vois parfois, tu devas. On va faire comment? On va à la plage, on souffre. Mais l'église aussi a pitié de nous. Parce que la fois dernière, là, papa partait. Chauffeur allumé, lumière là. On a vu les caleçons jusqu'au bout de fesses. Ah, tu regardes, tu vas faire comment? On est à Blobon. Un jour, je pense qu'on était à l'aéroport. J'étais quelque part avec maman. Et j'ai vu une grosse fesse. C'est au Ghana. Ghana. Oh. Vraiment, des yeux. So, maman était de l'autre côté. So, elle m'a fait signe. Pour moi, elle a vu ce que j'ai vu. J'ai fait. So, après, mais c'est coïncidé. Et toi, elle faisait signe à son mari que ah, je t'aime. Et le cible nous a soutenu. Moi, je pensais que. Ben, il de so, après la maison, oui, je dis ah, la chose là. Dit, ah, lui, elle savait pas. Oh. Et il a mis toi, mais. Je dis la chose était grosse, mes yeux. Clos, ton... Parce que j'étais étonné comment tu as grosse fesse, tu as porté ça pour marcher en public. Comme je suis un prédicateur, je voulais dire prêcher. Mais maman m'a vu. Moi, c'est mis toi, moi, et j'ai dit ah, c'est pas ce que tu penses. Oh. Mais c'est dangereux, protégez-vous. C'est dangereux. Et à la plage, ici, vous savez votre danse là. La fois d'un j'ai venu ça aussi. Il a porté la chose et une danse. Il a dansé. Il a dit, oh, c'est bon, ouais, ouais, il a clôt. On va faire comment? Le bon. Jésus n'a qu'à venir, on va partir. Jésus n'y a pas mis à mi. C'est pourquoi au ciel là, et bien, c'est les longs, longs robes. Ah, ou cagale, et non, vous mettez ça, il est là. Robe. Robe cagale. Là-bas, là, vous n'allez pas nous séduire. Là-bas, ici, les frères, papa, vous séduit. Donc, on a vu cela, parce que nous serons en robe. Les frères, nous aussi, on sera en robe. On a vu cela, en robe, mais. Que le Seigneur nous aide. À quoi nous allons nous? Je veux avoir les témoignages de nos caractères. Nous, Kundi, débat, nous, Tijami, tout le monde. Aller à la maison. Maintenant, il faut que. Aller dans les travaux, bon, travail, aller dans l'école, montrer le caractère. Je veux qu'un jour tes parents puissent venir à l'église. Dis, ah, parce que je vois un changement dans l'église. Oui. Moi, si j'ai l'opportunité, je veux aller dans vos maisons. Je veux faire enquête pour voir le caractère que vous avez à la maison. On a compte. Que le Seigneur nous bénisse. Maranatha. Je reviens bientôt. Shalom, shalom. Demain, par la grâce de Dieu. Sois mon Dieu, mais ma ou ton meilleur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Benoît, pour nous.